Commande de frein. Donc pour la commande de frein avant, on va préciser que c'est une commande de frein hydraulique. On vérifiera le niveau du liquide de frein qui est ici. Il doit être au maximum. Donc tous les niveaux, on le fera moto droite. Hein. Ensuite, à l'arrière, on va vérifier le niveau du liquide de frein qui est ici, sous la selle. On n'aura pas besoin de démonter la selle. Et le niveau devra être entre le minimum et le maximum.